Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 7 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. On ne veut pas se mentir, dès lors que l'on pense à concevoir un bébé, quel que soit notre couple, si un problème d'infertilité pointe le bout de son nez, généralement il ne s'invite pas seul. Dans nos couples, l'infertilité est mécanique, nous le savons. Nous savons que nous devrons passer par une manipulation qui sera accompagnée de nombreux questionnements. Et de ce fait, la moitié du chemin est déjà faite. Par contre, ces parcours ne sont pas anodins dans nos vies de couple ou de famille, parce que quand ça ne marche pas comme on l'avait envisagé, nous sommes soumis aux doutes, aux interrogations, confrontés à l'échec et même à des considérations matérielles qui parfois vont jusqu'à solder nos espoirs de parentalité et mettre nos couples en péril. Je vous propose donc aujourd'hui d'évoquer une partie de ces questions, qui seront amenés à se poser si vous êtes en début de parcours ou encore en réflexion, avec une professionnelle. Natacha, psychologue spécialisée en périnatalité, accompagne au quotidien des couples qui sont poussés à trouver des réponses, à se réinventer dans leur parcours et leur désir de parentalité. Nous avons échangé autour du choix de la méthode qui s'offre à nous, du choix du donneur, de considérations éthiques et de l'évolution de la société, de la discrimination, des symptômes liés aux stimulations hormonales parce que savoir à quoi s'attendre aide à anticiper, de limites d'âge, des considérations financières qui guident aussi nos choix, et enfin de transmission des gènes. Cet épisode se veut positif, chaque individu est différent, chaque vécu est personnel, et se faire accompagner psychologiquement dans ses parcours est ok. Il ne faut pas hésiter à s'entourer d'oreilles attentives et neutres pour se préserver au maximum. Je vous invite en suivant cet épisode à échanger si vous le souhaitez sur les difficultés que vous avez rencontrées, que nous n'aurions pas évoquées et qui pourraient faire l'objet d'un nouvel épisode. Je vous propose de réagir en commentaire sur Instagram sous la publication de cet épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Déjà, je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible, surtout avec tous les aléas du moment où moi-même je suis pas très très fiable. Je voulais déjà préciser à nos auditeurs qu'aujourd'hui, donc c'est un épisode un peu spécial qu'on va traiter. On va se servir en fait de tes compétences professionnelles pour traiter des points qui, à mon sens, enfin sur plusieurs épisodes qui, à mon sens, sont essentiels dans nos parcours de PMA. Donc je vais rappeler déjà à nos auditeurs donc que tu es psychologue en périnatalité. Psychologue spécialiste en périnatalité, que tu as déjà été entendue sur le podcast à titre personnel pour raconter ton histoire. C'était l'épisode numéro 18. Et aujourd'hui, je vais te demander de te présenter à titre professionnel pour qu'on puisse développer ensuite les points sur lesquels on veut échanger. Bien sûr. Alors, moi, donc, comme tu l'as dit, je suis psychologue en périnatalité et en accompagnement parental. Et en gros, mon activité, c'est d'aider les parents pour gérer tout ce qu'il y a autour de la naissance, de la grossesse, de la conception de l'enfant, et ensuite après dans la gestion quotidienne avec les enfants. Donc par là, j'aide aussi et j'accompagne aussi des couples dans les parcours de PMA, dans les problèmes d'infertilité et dans toutes les difficultés qui peuvent apparaître lors des parcours de PMA et dans le couple, lors des parcours notamment de PMA et d'infertilité. D'accord. Bon, mais c'est effectivement ce côté-là que je souhaite traiter avec toi, donc plutôt la partie avant, enfin, en tout cas pour le moment, la partie avant conception et dans la conception. Donc tout ce qui va traiter des enjeux en fait de la PMA, les enjeux du choix de la conception aussi. On va commencer par là d'ailleurs. Est-ce qu'on peut faire un point déjà sur les méthodes de conception, alors qu'on connaît quand même un peu tous, hein, mais sur les méthodes de conception que tu rencontres et sur les enjeux que toi tu identifies. Oui, alors au niveau des
des procédures, des parcours les plus fréquents, il y a ce qu'on connaît en effet, comme tu dis, un peu tous, surtout quand on est un peu dans le milieu, il y a tout ce qui est les inséminations. Alors, il y a les inséminations avec donneurs anonymes ou les inséminations avec donneurs connus. Il y a aussi les inséminations artisanales qui sont illégales, considérées comme illégales, puisque la manipulation de gamètes est interdite de manière artisanale dans beaucoup de pays européens, en tout cas. Il y a aussi tout ce qui est les fécondations in vitro, mm-hmm. où là, en fait, on va ponctionner des ovocytes chez une des femmes, en tout cas, une des femmes ou une femme, en tout cas, pour ensuite induire une fécondation in vitro, donc hors du corps, et réimplanter les embryons. Parfois chez la donneuse d'ovocytes, parfois chez une autre femme qui n'est pas la donneuse d'ovocytes, par exemple dans les cas de gestation pour autrui ou encore dans les cas de FIV ROPA, où on va avoir une des mères qui donne l'ovocyte et l'autre qui porte l'enfant. D'accord. Donc ça, c'est les principaux, les principales. Après, il y a toutes les procédures de coparentalité. Il y a la gestation pour autrui, ou qui fait beaucoup débat en France et qui est la seule manière pour les couples homosexuels masculins de devenir parents, hein, par la force des choses. Et donc voilà. D'ailleurs, tu as eu des super épisodes avec un papa qui gère d'ailleurs maintenant un centre de fertilité aux États-Unis. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, au niveau de ces diverses procédures, donc, je pense que déjà, la plus grosse interrogation qu'on peut se poser, c'est déjà de choisir quelle va être notre méthode de conception. Et en fait, même, je vais te dire, je pense qu'encore plus en amont, la première difficulté, je pense, qui peut être rencontrée, c'est de gérer cette infertilité de fait. Oui, tout à fait. En fait, ce qui peut être très compliqué et très frustrant dans un couple, c'est que forcément, l'union qu'on va avoir dans un couple homoparental va être, par exemple, de forcément, c'est une union qui est infertile. Hein, et donc, on pourra pas avoir ce côté hyper chouette de tomber enceinte, par exemple, hein, et d'annoncer ça à la famille. Souvent, quand on est dans un parcours de PMA, de fait, l'entourage est souvent au courant, puisque ça génère une organisation spécifique, ça peut générer des tensions, etc., qui sont nécessaires souvent à partager. Donc après, c'est pas le cas dans toutes les familles, hein, mais voilà. Donc en fait, forcément, il y a l'infertilité, même dans les couples hétérosexuels, hein, l'infertilité est une grande tension, puisque ça veut dire qu'on se sent incapable, on ne peut pas, juste par notre corps et par les actions habituelles et tout ce qu'on, forcément, tout ce qu'on sait, hein, un homme, une femme et un bébé, quoi. Nous, ça fonctionne pas en couple homoparental. Et chez les couples infertiles, enfin, c'est les mêmes enjeux, en fait, c'est que les corps sont pas capables. Avec la différence, c'est que dans les couples hétérosexuels, il y a vraiment forcément l'attente que ça fonctionne, et que alors que nous, en tant que couple homosexuel, on sait d'office que pour passer à la parentalité, on va devoir passer par une PMA. Donc forcément, on a plus de facilité à y atteindre, puisque c'est un chemin qui est prédéfini pour nous. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que clairement, le bébé couette chez nous, c'est impossible. Donc, en général, le diagnostic, il est de fait. Donc, on s'oriente plus facilement, on s'oriente peut-être plus rapidement, même qu'un couple hétérosexuel, vers de la PMA ou vers des solutions alternatives. Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et le choix de faire appel à n'importe qui pour un coup d'un soir pour faire un enfant, c'est quand même pas la majorité des cas, je pense. Oui, je pense même que autant c'était vrai, en tout cas je le pense, sur des générations précédentes, autant maintenant c'est presque plus envisagé. Oui, c'est ça. Ben non, parce qu'on connaît pas le statut sérologique de la personne en face. C'est pas possible, quoi. À l'heure actuelle, c'est plus possible de pouvoir faire confiance comme ça et de pouvoir même faire ce genre de choses comme ça. Éthiquement, on sait très bien que construire un bébé sur une espèce de mensonge et non-clarté, c'est quand même pas hyper chouette dans la construction même d'un individu. Oui, complètement. Donc ensuite vient le temps de faire le choix de la méthode de conception. C'est pas simple, en fait. Hein. Il y a des enjeux, je dirais, psychologiques qui sont importants dans tous les choix. Puisqu'on va avoir, sur le choix d'une insémination artisanale, va peser sur nous l'interdit, qui, mine de rien, n'est pas neutre. Va aussi peser sur nous le risque qu'on encourt avec un donneur connu de reconnaissance de l'enfant et donc de non-reconnaissance de notre famille.
Voilà, il y a plusieurs problématiques, je pense, qui se posent. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'en France, la grosse problématique à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance, en effet, dans les couples homosexuels, hein, des parents et surtout de la mère sociale, donc qui est pas celle qui n'a pas porté un enfant. Et donc, ça veut dire que pour trouver une procédure, ça veut dire qu'il faut s'expatrier. Ça veut dire que, comme tout le monde l'a entendu dans les précédents épisodes, c'est qu'il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, il y a le Portugal, enfin l'Espagne, tous les pays limitrophes, en fait, permettent l'accès à ces procédures. Mais en France, donc, on doit partir de là. Donc, ça veut dire que déjà, on doit choisir un endroit qui nous permet de pouvoir s'y rendre régulièrement, parce qu'on peut pas ignorer que quand on fait une procédure de PMA, on doit faire des contrôles, etc. Mmh. Et donc, d'un côté, on doit pouvoir, au moment de l'insémination, pouvoir partir. Donc, c'est sûr que quand on habite à Aix-en-Provence, c'est plus facile de partir en Espagne que de monter en Belgique ou aux Pays-Bas. Oui, clairement. Donc, d'un point de vue pratique, déjà, on peut pas choisir librement parce que la distance fait des choses. Mmh. Ensuite, pour le choix de la procédure en tant que telle, il y a tous les enjeux autour de déjà qui porte le bébé. Oui, tout à fait. Quel est le partenaire ou quelle est la partenaire qui porte le bébé, en fait. Dans certains couples, c'est de fait très facile. Il y en a une qui veut apparemment pas du tout porter et l'autre qui en a envie. Donc voilà, le choix se fait. Il y en a où c'est l'une et puis l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est en fonction de l'âge aussi, souvent en fonction de l'âge, souvent ça va être la plus âgée qui va commencer, c'est pas rare. Et puis ensuite, tout ce qui est du choix de la procédure en tant que telle, c'est comme ça aussi que pour vraiment partager entre guillemets l'enfant et l'expérience de grossesse, la FIV repas, je pense qu'a de plus en plus de succès. Oui. Pour partager en fait ce moment là c'est qu'il n'y en a pas une qui est moins mère que l'autre, puisque l'une a porté et l'autre a donné son ovocyte. Donc forcément, il y a un lien spécifique avec cet enfant aussi, parce qu'il n'y a pas de distinction, même au niveau génétique presque. Donc, voilà. On a évoqué aussi lors d'un épisode, l'épisode d'Ismaïla, la problématique que peuvent rencontrer certains couples dans le cadre de naissances multiples, du fait de devoir faire le deuil d'être mère biologique. Dans certains cas, quand des multiples arrivent et que la famille est estimée comme étant au complet, je pense que c'est une étape qui n'est pas simple non plus pour la deuxième maman qui aurait souhaité porter et qui finalement doit faire ce deuil. Oui, alors en effet, c'est sûr que si on part du principe que la famille prédéfinie était celle d'une famille avec deux enfants, et qu'en plus de ça, elles étaient encore un peu particulières dans le sens où elles avaient projeté une famille avec deux enfants métis. Oui, tout à fait. Et que finalement, il s'avère qu'elles ont eu, malgré l'affirmation de la clinique d'avoir eu un donneur noir, apparemment, on ne sait pas, mais en tout cas, leurs filles sont blondes aux yeux bleus. Mm-hmm. Forcément, dans la projection qu'elles avaient, c'est pas du tout ce qu'elles avaient projeté là à l'instant T. La question à savoir, c'est est-ce que dans ces cas-là, est-ce que le choix familial est remis en question? Par exemple, je ne sais pas si toi, tout concernant, est-ce que si tu avais eu tes triplettes en premier, est-ce que tu aurais refait une enfant après? Alors, c'est une grande question. Maintenant, c'est ça. Voilà. Ouais, non, je pense pas qu'on aurait fait un enfant après, simple et bonne raison que nous, la première grossesse, enfin surtout l'arrivée du premier a beaucoup chamboulé nos vies et je pense que par trois, on se serait dit stop. Oui, c'est ça, voilà. Donc, alors que là, bon, t'en as quatre parce que t'en avais une et puis trois. Voilà, ensuite. Exactement. Et c'est souvent ce qui se passe. D'ailleurs, il y a plusieurs couples homo qui finissent avec trois enfants parce que, un plus trois. Oui, quoi. C'est ça. On fait un petit deuxième et puis finalement, en fait, c'est deux petits deuxièmes. C'est clair. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre. Et je pense que beaucoup en ont conscience, mais peut-être pas assez. C'est que quand on fait une procédure de procréation médicalement assistée, le taux forcément de gémellarité et de grossesse multiple en tout cas est vraiment supérieur à la moyenne puisque on induit une stimulation qui va induire un nombre d'ovocytes particuliers. Alors évidemment il y a des faux jumeaux et des vrais jumeaux, mais il y a beaucoup de faux jumeaux. Ce qu'on dit faux jumeaux, hein. D'ailleurs toi dans ta fratrie t'as un singleton et dans tes triplés t'as un singleton et une paire de vrais jumelles, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est assez fréquent en fait d'avoir des faux jumeaux parce que en fait comme on stimule l'ovulation forcément on va avoir deux ovocytes qui sont possiblement dispo et quand on fait une fécondation in vitro on choisit carrément est-ce qu'on met un embryon ou deux embryons, il en mettra rarement plus maintenant. Oui, tout à fait. Parce que forcément on sait que si les deux qui prennent ça fait une grossesse gémellaire.
Donc, c'est aussi une réalité, c'est que qui dit PMA dit probabilité de grossesse multiple plus importante. Et donc, ça, forcément, ça, si on n'y pense pas beaucoup et si on n'envisage pas, est-ce que ça veut dire qu'on bloque la famille en l'état ou est-ce que ça veut dire qu'on laisse l'espace plus tard à la possibilité d'une grossesse? Parce que je trouve hein, que c'est très difficile pour une femme de faire un deuil sur sa grossesse. Oui, je suis d'accord. Pour une raison pratique de ah bah, la, les places sont prises. Oui, je suis d'accord. Donc, alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la famille d'Ismaëlla, par exemple. Est-ce que finalement, dans 5-10 ans, je ne sais pas moi, elles vont avoir un autre enfant, que ce soit, que ce sera elle qui portera? Peut-être, peut-être pas, en fonction de comment est-ce qu'elle se sentira et comment est-ce que leur vie vont évoluer à ce moment-là. Mm-hmm. Mais je pense qu'en effet, il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'on garde le schéma qu'on avait en tête, mais que finalement, qui a déjà été bousculé, ou est-ce que, on le modifie et on fait agrandir la famille encore finalement. Et ça, c'est à la discrétion de chacun, évidemment. Oui, oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'il faut aborder, envisager, anticiper pour que quand on se retrouve devant le fait accompli, on y ait réfléchi en fait. On n'est pas une décision à prendre dans l'urgence et qu'on fasse les choses sereinement. C'est ça. Et en fait, c'est un peu comme toi quand tu vois par exemple qu'il y a aussi des cas encore de triplés. Oui. Et donc les choix, c'est est-ce que en cas de triplé ou quadriplé pour une raison X ou Y, hein, parce que s'il y a si c'est une insémination et qu'il y a vraiment une surstimulation, s'il y a trop d'ovocytes et que ça fait une grossesse triple ou quadruple, alors c'est rare mais ça peut encore arriver. Généralement, les gynécos n'inséminent plus. Quand il y a trop d'ovocytes près, ils n'inséminent pas. Oui, complètement. Est-ce qu'on est prêt à faire un écrasement embryonnaire ou pas? Est-ce qu'on prend ce risque-là et dans quelle mesure? Oui. Voilà, il y a un choix à faire et je pense que toi, tu as dû le faire aussi. Et donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Quoi. C'est des questionnements qui sont, c'est pas des questionnements évidents. C'est vrai. Et par contre, nous, la difficulté, enfin, nous, on avait envisagé les multiples, hein, clairement. On s'était dit, c'est possible. Moi, je savais que malgré une stimulation très, très faible, je réagissais fortement. Donc, on avait envisagé les jumeaux. Les triplés, par contre, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas. Mais vraiment pas, tu vois, tu peux pas te dire je vais avoir des triplés, donc du coup tu réfléchis pas à la réduction embryonnaire. Et c'est vrai que ça c'est une question qui se pose fatalement. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup c'est une question qui se pose fatalement hyper rapidement dans la grossesse, en tout cas dès que les triplés sont diagnostiqués entre guillemets. Et ça c'est une vraie décision qui est très difficile. Enfin moi je l'ai vraiment mal vécu parce qu'on est mis on passe d'une grossesse potentielle de un enfant à trois, puis on nous dit quasiment instantanément qu'il faudra qu'il y en ait que deux parce que sinon ça ne tiendra pas, et donc on doit faire le deuil de cet enfant qu'on ne connaissait pas trois heures avant. Enfin tu vois, c'est, il y a plein de sentiments qui se mélangent et c'est vrai que si j'avais entendu parler de tout ça peut-être en amont, je me serais peut-être mieux préparée. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est sûr que le fait de ne serait-ce que savoir que ça existe, que la réduction embryonnaire c'est quelque chose qui existe, parce que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Hein. Oui, non, c'est sûr. Parce que les protocoles sont souvent assez bien gérés et qu'on évite carrément d'inséminer quand il y a plus de deux ovocytes, mais qui dit deux ovocytes dit possibilité de tripler dans tous les cas, ou même de quadrupler, puisqu'on peut avoir un dédoublement. Ouais. C'est ça, voilà, on peut avoir un dédoublement embryonnaire. Donc en fait, c'est une chose qui est compliquée à connaître, mais c'est une réalité et je pense que c'est intéressant de se pencher sur les différents risques, comme la surstimulation. Oui. Quand on se lance dans une procédure de PMA et principalement dans une fécondation in vitro, même si ça arrive aussi en insémination, mais les doses en FIV sont vraiment très importantes pour justement avoir de la réserve et on peut créer des choses qui sont pas agréables. Donc c'est sûr que partir dans un parcours de PMA, je trouve que le terme parcours est pas mal choisi dans le sens où c'est un vrai parcours fait de montagnes russes avec des obstacles, avec des choses agréables, chouettes, et des choses pas agréables et pas chouettes à vivre pour les couples qui se lancent là-dedans. Et tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel. Oui, complètement. C'est vrai que le parcours de PMA, souvent, ce qui incite nos auditeurs et des couples d'hommes et de femmes qui souhaitent partir, alors plutôt de femmes pour le coup, qui souhaitent procréer,
à ne pas s'orienter vers une PMA, c'est souvent tout le côté médical, le côté intrusif, le côté gestion de la douleur, parce que mine de rien, avec, c'est hyper médicalisé, et, les examens qui sont demandés ne sont vraiment pas agréables. Enfin, c'est quelque chose auquel il faut vraiment se préparer. Ouais, c'est ça. Psychologiquement, je pense qu'il faut se rendre compte que l'image d'Épinal de la maman qui se réveille avec des nausées, qui va vomir aux toilettes. Alors oui, ça arrive hein, quand on sait, mais tout la préparation, c'est pas de la surprise quoi. Le jour où ça nous arrive, on est presque ravis que ça nous arrive parce qu'on sait très bien ce qui se passe et qu'on a fait l'insémination 12 ou 14 jours avant. Ah, quoi. Oui. Donc forcément, il y a pas de surprise, il y a pas cette joie incroyable. Enfin, si, il y a cette joie incroyable, mais il y a pas cette joie incroyable de surprise et de découverte. Mm-hmm. C'est un truc qui est prévu, préparé, qui est presque millimétré en fait, hein, qui est millimétré. Et alors, pour les couples hétérosexuels, on va avoir souvent dans sa première étape, ça va être les rapports programmés. Mmh. Et je trouve que sincèrement, en tant que couple homo, c'est quelque chose au moins qu'on sait pas. Oui, c'est ça. Je trouve sincèrement que les couples homosexuels doivent s'imposer, qui est d'avoir des rapports programmés à limite à telle heure ou à tel jour, parce que c'est le moment où l'ovulation a lieu au top, etc. Ouh, je me dis pour la couple en fait c'est pas évident, c'est vraiment pas évident et ça induit une espèce de rapport au corps qui est quand même vraiment étrange en termes d'exigence alors que bon bah quand on est un couple homosexuel on sait forcément que c'est la médecine qui intervient en fait hein. Sans médecin on n'est pas parent donc c'est la médecine qui intervient, nous on est un peu le patient qui peut, la seule chose qu'on peut faire en tant que patient c'est de prendre ça avec un peu de sourire et de rigoler des situations ubuesques qu'on peut vivre. Et je pense que c'est la seule chose qui peut nous sauver pour vivre ça le mieux possible, c'est d'avoir une équipe qui est souvent la plus bienveillante possible. Et alors c'est ça qui est le plus compliqué aussi, sûrement je pense qu'on va en parler, c'est qu'en fait autant quand on vit comme Léa et comme moi à l'époque, donc au Portugal ou en Belgique, quand on vit là-bas et qu'on fait le suivi du cycle là-bas, c'est facile parce que les gynécos sont habitués à ça. C'est pas un problème. Par contre, quand on se retrouve dans un pays comme la France où c'est une procédure qui est interdite pour les couples homosexuels et qu'il faut batailler pour trouver un gynécologue qui accepte de nous suivre, c'est déjà là, c'est le premier combat en fait en France. C'est ça, effectivement, c'est la genèse de nos parcours. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est vrai qu'on ne pense pas assez souvent, mais quand on a un couple avec un des partenaires ou une des partenaires du couple qui est trans, alors là, c'est encore plus compliqué parce que déjà, il y a une certaine transphobie qui existe en France, mais alors dans un parcours de PMA, les jugements vont souvent bon train. Oui, c'est sûr. Et donc, forcément, si, admettons, dans les images qu'on voit passer là sur les réseaux sociaux et qui sont impressionnante entre guillemets parce que c'est inhabituel de voir un homme trans porter et mettre au monde un enfant. Forcément, c'est souvent il y a des réticences. Et c'est normal parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Mais entre des réticences et un refus et un rejet et des réticences de l'intérêt et une volonté de se dire faisons ça, il y a une grande nuance. Oui. Et donc la difficulté de trouver un gynécologue qui fait un suivi correct, sans jugement, avec beaucoup de respect et beaucoup de douceur, parce que un suivi de cycle, autant être franc en battant, c'est des échographies endovaginales, ce sont des prises de comprimés avec des variations d'humeur, ou des injections avec des grosses variations d'humeur aussi. C'est des choses qui sont pas fun, quoi. Et des prises de sang à tire-larigot. Donc, si on n'est pas entouré de gens qui font ça dans la douceur et qui sont bienveillants envers le parcours, c'est très compliqué à vivre au quotidien. Parce que c'est du quotidien, en fait. C'est ça. Et c'est vrai qu'en France, déjà que c'est compliqué pour nous, les couples de femmes, de nous faire accepter, reconnaître et non juger. J'imagine que pour les personnes trans, ça doit être l'enfer de trouver des professionnels. C'est un enfer. Ouais. J'ai pas du tout de... Au contraire, enfin, je veux dire, moi, tous les professionnels que j'ai rencontrés... hormis une, mais bon, tu vois, enfin, on a toujours été très bien reçus, bien accompagnés, pas de jugement, et c'était même d'ailleurs assez bluffant. Mais je me doute que c'est pas le cas de tout le monde, et surtout, je pense que dans des situations qui sont un peu plus extraordinaires, je pense qu'il y a d'autant plus de réticence, ce qui est
ce qui n'est pas remarquable, hein, justement. C'est ça. Et je pense que dans ces cas-là, je pense que le plus facile pour les personnes trans, par exemple, pour accéder à la parentalité, ça va être des pays où, par exemple, il n'y a pas de passage chez un psy, parce que les questions peuvent être très intrusives et mal posées. Mmh. Et même si ce n'est pas un jugement parfois, etc., je pense que ça peut être très compliqué aussi, même si pourtant la réflexion serait intéressante hein, mmh. à faire, et un suivi, je pense, psychologique peut être très intéressant à faire. Mais les personnes trans ont souvent un suivi psy. Enfin, c'est pas mmh. rare, en tout cas. Déjà dans le parcours de base, pour changer de sexe. Il me semble que c'est important. Mais le fait de pouvoir parcourir la parentalité, parce que je pense... Ouais, bah, ça peut être important, en effet, parce que c'est un vrai changement d'identité par rapport à ce qui a été assigné à la naissance. Et le fait est qu'en devenant parent, il y a des choses qui se rejouent. Ça peut être intéressant d'en parler. Mais le problème, c'est que souvent, les gens sont tellement peu formés pour poser des questions de manière bienveillante et ouverte que c'est mal perçu, mal vécu. Et donc, bah, forcément, ça met des bâtons dans les roues. Et ça crée des émotions négatives avant même de commencer le dur. Non, c'est vrai, parce qu'en plus de ça, moi, ce que je constate, c'est que même si on a des personnes en face de nous qui sont dans la tolérance, dans l'acceptation, souvent, on va rencontrer des problèmes de vocabulaire parce que ben, ces personnes-là ne sont pas, comme on peut dire, déconstruites. Et sont, malgré leur ouverture, peuvent être maladroites. Alors, en plus de ça, la plupart du temps, ce n'est vraiment pas volontaire. Mais c'est souvent qu'ils ne savent pas comment s'adresser. Non, bien sûr. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Mmh. C'est exactement ça, c'est un manque de sensibilisation par rapport à ça, parce que bah, comme je le dis encore, hein, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, c'est quelque chose qui commence à émerger. Autant dans les couples homosexuels, en France c'est encore un peu compliqué, mais dans les autres pays européens, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Et donc bah, ils sont un peu habitués, ils sont un peu... Mais c'est vrai qu'en France c'est encore un petit peu... un peu extraordinaire, quoi. Et donc, quand on a... Mais je pense pas que ce soit si fréquent que ça. Si peu fréquent que ça, pardon, d'avoir des couples, je pense, qui vont chercher des gynécos pour un suivi en PMA. Parce qu'en tout cas, moi, dans les personnes, les pros que je connais, j'en ai quand même de plus en plus qui me disent que oui, ça arrive et qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça, quoi. Parce que elles considèrent que c'est injuste que la France n'ait pas ouvert ça. Et donc, bah, bien sûr qu'elles soutiennent, quoi. Heureusement, il y en a de plus en plus. Non, mais c'est clair que je pense que, en tout cas, le personnel médical et accompagnant autour de la naissance est de plus en plus ouvert. Il l'était déjà il y a 10 ans, il y a 8 ans, quand moi j'ai accouché de Juliette, et je pense qu'eux, ils avancent beaucoup plus vite que la loi, en fait. Hein. Mm-hmm. Donc ça, c'est plutôt... Oui, bah, c'est évident, parce qu'ils se rendent compte, ils sont près des patients, donc ils voient bien la société évoluer. Et en fait, la loi, et je pense qu'on attend toujours de la loi qu'elle anticipe les changements sociétaux, mais en fait, ça ne s'est jamais passé. La loi n'a jamais anticipé les changements sociétaux. La loi a soutenu et a acté. Ouais. Et ce qui est un peu ubuesque en France, c'est qu'on se retrouve dans un pays qui est enclavé dans un berceau où tout le monde reconnaît ça, et la France reste sur ses positions en disant oui, non, peut-être, un petit peu, mais pas tout à fait. En fait bon, c'est complètement ça. Oui, mais bientôt. Ouais. En tout cas, je pense que c'est clairement quelque chose dont il faut avoir notion et conscience dans la globalité de nos parcours, quels que soient les choix que l'on a fait en amont. C'est que ces problématiques de reconnaissance en amont de la naissance et d'accompagnement, donc de difficultés de vocabulaire, elles existent clairement. Mais il faut savoir prendre la hauteur nécessaire pour comprendre que ce n'est pas mal orienté, même si, alors évidemment, qu'il y aura des personnes qui vont être mal intentionnées, mais la plupart du temps, c'est surtout un problème de construction et de déconstruction. Bien sûr, parce que ça demande vraiment de se pencher sur la question pour réussir à trouver les bons mots et comprendre même le vocabulaire spécifique que ça peut inclure. Je veux dire, tout le monde ne sait pas ce que c'est que quelqu'un qui est un homme cisgenre. Oui, complètement. C'est déjà pas hyper clair pour tout le monde, donc On ne sait pas que c'est de l'opposition à transgenre. Oui, c'est ça. Donc, enfin voilà, je pense que même quand on est soi-même homosexuel, c'est pas parce qu'on est soi-même homosexuel qu'on est déconstruit par rapport au vocabulaire et à la façon de parler, par rapport aux autres discriminations, par rapport aux personnes racisées et des choses comme ça. Donc, voilà, je pense qu'il faut être très tolérant les uns avec les autres, avec le vocabulaire qu'on a et le niveau de déconstruction qu'on a, parce qu'il y a des fois, on peut être très déconstruit, mais juste pas avoir les bons mots, en fait. Et puis, bon, bah voilà, je pense qu'on passe son temps à évoluer et à apprendre les uns des autres. Tout à fait. Pour en revenir du coup au choix du parcours, donc je pense qu'on a abordé pas mal de thèmes dans le choix du parcours, pas mal de difficultés qui peuvent être rencontrées. On va se pencher un petit peu sur
sur la PMA, précisément, parce que dans la PMA, on a un biais, on va dire, médicamenteux, qui va faire que souvent, on a des, effectivement, comme tu l'as précisé, des sauts d'humeur. On a physiquement des transformations qui ne vont pas être forcément acceptées, sachant que derrière, ce n'est pas forcément suivi de grossesse. Donc, comment toi, tu conseilles, tu accompagnes sur ce genre de... Sur le début du parcours, en fait, le tout début du parcours? Bah déjà, je prépare. Je prépare quand on vient me voir dans un parcours d'infertilité ou de PMA, hein, de projet de PMA. Je préviens déjà en disant, écoutez, voilà, vous allez avoir des médicaments qui peuvent, qui vont, en fonction souvent la plupart des cas, avoir un impact sur votre métabolisme. Et c'est l'objectif, hein, c'est qu'on booste le métabolisme pour qu'il fonctionne plus ou moins comme ça. Et donc, forcément, ça a un impact au niveau des humeurs. Et donc, ce que vous allez ressentir pendant le traitement va être quelque chose qui est altéré. On sait que quand on prend des prises de testostérone, bah, on devient plus agressif. Et ben, quand on a des prises d'hormones de synthèse pour stimuler l'ovulation, on peut être beaucoup plus à fleur de peau, un peu style syndrome prémenstruel, quoi. Un peu du style à pleurer pour un rien, à être pas bien et à avoir un peu de l'énervement. À être très très sensible par rapport à de l'énervement, de l'irritabilité, etc. En plus de ça, peut se greffer à ça une prise de poids. Parce que bah, quand on bouge les hormones comme ça, forcément le métabolisme change et donc le fonctionnement des différentes hormones, c'est un système complexe et très 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 fragile. Et donc quand on touche une carte du château, bah, les autres peuvent s'effondrer. Oui, l'équilibre est fragile, oui. C'est ça. Et donc les prises de poids sont très fréquentes. Et ça peut être des petites prises de poids, hein, 1, 2 kilos, 3 kilos, jusqu'à parfois des femmes en FIV, parce que les traitements sont beaucoup plus lourds, hein, aussi, qui peuvent prendre jusqu'à 20 kilos, quoi. Et c'est le problème qu'il y a, c'est que en fonction de la durée du parcours aussi. Donc en fait, il faut se préparer aussi à se dire que son corps va changer et que il faut peut-être être vigilant par rapport à justement à ça. Et à voir dans quelle mesure on peut être attentif à ses propres signaux internes pour se dire, tiens, c'est marrant quand même, j'ai plus faim, j'ai plus ceci, j'ai plus cela, tiens, est-ce que c'est... comment est-ce que je peux m'aider là-dessus, par exemple, à faire ça? Tiens, je suis beaucoup plus sensible. Est-ce que c'est vraiment de l'énervement ou est-ce que c'est dû aux hormones par rapport à ça? Parce qu'après, il y a les fameuses hormones de la grossesse où les femmes sont censées être plus irritables, sensibles, etc., ce qui n'est pas forcément le cas au demeurant. Mais en tout cas, je sais que sous traitement, émotionnellement, en plus, c'est des hormones synthétiques qui sont pas métabolisées parfaitement de la même manière chez tout le monde déjà. On réagit tous différemment par rapport à ça. Et donc, bah, il y a toute cette préparation-là où on peut parler de tout ça et la récurrence des cycles, en fait, met en évidence ça. Alors, quand on a que un cycle ou deux de stimulation et qu'après, ça fonctionne, parfois, les femmes ne sont même pas rendues compte que c'était ça qui générait les émotions. Mais quand on enchaîne cycle après cycle des stimulations qui durent de 5 à 7 jours en fonction des protocoles, ben on se rend bien compte de la récurrence, en fait. Et la récurrence, elle fait aussi place, malheureusement, s'il y a de la récurrence, aux échecs. Et donc, ben forcément, les échecs ont un impact aussi au niveau émotionnel. D'ailleurs, je pense qu'on va y venir. Et voilà, exactement. On va en arriver à ce point-là. Effectivement, dans les parcours, quels qu'ils soient, de PMA, d'IA, de GPA, il y a un point qui est commun à tous nos parcours, c'est que nos parcours sont semés d'échecs. Alors, effectivement, on dit que les échecs sont la répétition du succès. Maintenant, c'est hyper difficile à encaisser. Et du coup, je sais pas. Si toi, enfin, qu'est-ce que tu préconises comme accompagnement ou comme anticipation peut-être pour la gestion de ces échecs? Mais j'ai bien conscience qu'il n'y a pas grand-chose à dire ou à faire. Mais voilà, comment on peut aider? Je pense que déjà dire qu'un parcours de PMA est semé d'échecs et d'embûches, c'est une chose qui est réaliste. Alors bien sûr, hein, y a des chanceuses qui vont avoir un métabolisme qui fonctionne du tonnerre et où tout se déroule comme sur des roulettes du premier coup, et ça prend, et c'est basta. Et ça, c'est vraiment super, mais c'est vraiment pas la majorité. Donc, en fait, il faut se rendre compte qu'avant même de réussir à avoir une insémination, il faut réussir à avoir une ovulation. Rien que ça. Oui.
Et la gestion d'une bonne ovulation, c'est déjà pas donné. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des femmes qui se retrouvent à attendre 3, 4, 5 cycles avec des stimulations, sans stimulation, en changeant les modules, en changeant les molécules, en changeant le dosage, etc. pour réussir à avoir une ovulation correcte avec un ovocyte de diamètre correct. Donc en gros, on va dire entre 18 et 22, si je ne me trompe pas trop. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que il faut bien se souvenir qu'on est toutes différentes et donc il n'y a pas un protocole qui marche de façon générale. Il faut adapter le protocole à la réponse de notre corps. Et ça, c'est le temps de trouver cette réponse et d'adapter à la réponse, ça prend des fois, 5-6 mois. Ouais, et alors, ce qui est le plus ironique aussi, c'est qu'un même protocole chez une même personne peut réagir différemment d'un mois à l'autre. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, alors moi, c'est ce que j'ai vécu, hein, mais c'est une réalité qui existe forcément par ailleurs. Et donc, il faut se préparer au fait que déjà atteindre une ovulation est déjà une réussite en soi, parce que chez les femmes infertiles, par exemple, où il y a un trouble d'ovulation, il faut déjà réussir à faire une ovulation. Ensuite, il faut encore que cette ovulation soit suivie d'une fécondation pour atteindre une grossesse, en tout cas un début de grossesse. Et là, l'insémination, ça va être pour des couples infertiles, l'insémination va aider à passer la glaire cervicale qui peut parfois bloquer les spermatozoïdes en cas d'être hétéro. Hein. En tant que l'ovulation pour les filles, c'est quand même la marqueur de ça fonctionne, donc on va ponctionner. Donc c'est aussi un vécu douloureux, et donc ça veut dire que dans la ponction il va y avoir des ovocytes. Certains vont être matures, pas matures, en tout cas pas de diamètre suffisant pour être utilisé. Il va y avoir la fécondation des ovocytes et on va avoir seulement après quelques jours le combien on prie ou pas. Et donc déjà là, et aussi c'est qu'on a fait la ponction, on a quand même c'est hyper invasif, on peut pas dire le contraire. Et donc déjà là aussi, on va se rendre compte qu'il va y avoir. Oui, c'est clair. C'est vraiment très invasif. Ouais, ouais. Et donc on va avoir le succès ou non d'avoir des embryons qui sont implantables ou pas. Et alors, ça peut être la grosse déception quand on a prélevé par exemple 12 ovocytes et que finalement on se retrouve avec 3-4 embryons potentiellement implantables. En plus de ça, après, on peut faire des transferts d'embryons frais. Alors après, on choisit si on fait des transferts à J3 ou à blastocyte à J5. Ou alors, si on fait un transfert d'embryons congelés, ça veut dire que les embryons vont être congelés et puis ensuite décongelés et à voir s'ils résistent à la décongélation. Donc rien qu'avant même de penser à partir dans un protocole où on va réussir à avoir un début de grossesse, c'est semé de petites étapes intermédiaires qui peuvent être l'objet d'échecs en elles-mêmes. Et parfois, c'est sujet au corps, simplement. Parfois, c'est sujet à l'extérieur qui fait que ça fonctionne pas. Et ce qui est très difficile, je pense, en tant que soit donneuse d'ovocytes ou soit après celles qui reçoivent les embryons ou les paillettes de sperme et qui ont une ovulation, c'est de se dire que parfois, le corps fait défaut, quoi. Et donc, parfois, le corps fait défaut en tant que donneuse d'ovocytes. Oui. Parfois, le corps fait défaut en tant que réceptacle pour un embryon. Et donc, ce côté-là du corps qui fait défaut est encore plus fort chez les couples hétérosexuels, je pense, parce qu'ils n'ont pas réussi à procréer naturellement comme c'est attendu. Mais n'épargne pas non plus les couples homosexuels, tant hommes que femmes, parce qu'il peut y avoir très bien une décision, par exemple, que ce soit un des messieurs qui donne son sperme et que finalement, en fait, c'est pas possible que le spermogramme soit mauvais, par exemple. Eux, c'est plus simple. Nous, on a un paramètre à gérer, c'est qu'on a le bon ovocyte, et puis ensuite, on doit avoir l'endomètre d'une qualité suffisante pour accueillir l'embryon. Est-ce que l'embryon va effectuer une nidation ou pas? Est-ce que la grossesse va se poursuivre? Donc déjà, rien que ça, c'est déjà un choix et un parcours en tant que tel. Et je pense que déjà, comprendre et connaître tous ces petits détails-là met en évidence que il y a pas une question de volonté, c'est pas une question en plus de ça de pouvoir choisir ce qui se passe ou pas. C'est il faut accepter, accueillir et se dire que il y a le temps et va dans notre sens, puisque plus on passe de temps dans un parcours de PMA, plus on se connaît. Donc voilà, c'est ça. Et donc et accepter des échecs et se dire que ça fait partie du parcours, mais surtout ne pas minimiser l'impact que ça a.
c'est pas parce que c'est normal que c'est facile à vivre et que c'est agréable à vivre. C'est une douleur incommensurable, surtout quand il y a de l'investissement physique derrière, quand on souffre de la stimulation, qu'on souffre de la ponction, qu'on peut avoir souffert par exemple des nombreuses prises de sang pendant le cycle. C'est pas anodin que ça suive, soit suivi par un ou plusieurs échecs. Et donc, le vécu est très difficile et à juste titre. Et surtout, c'est ça qui est important de mettre en évidence, c'est que la souffrance est légitime, peu importe les circonstances. Oui, c'est ça. Il faut vraiment pas minimiser la souffrance et avoir vraiment conscience de la souffrance physique et de la souffrance morale. Et aussi dans souffrance morale, j'entends aussi tout ce qui va tourner autour de la nudité, du fait de devoir se mettre à nu, aussi bien physiquement que moralement, puisque nos parcours nous imposent, en étant monitorés en permanence pour suivre nos cycles, de se retrouver devant X médecins, puisqu'on va passer 3, 4, 5 échographies en endo-vaginale. C'est pas simple non plus, cette partie-là. Non, c'est ça. Pour peu que on ait un rapport au corps avec de la pudeur ou même une difficulté par exemple des suivis gynéco, parce que c'est pas parce qu'on fait une PMA, il y a des femmes qui refusent de rentrer dans un parcours de PMA parce que ça veut dire qu'elles doivent s'exposer chez un gynéco et que déjà la visite gynéco est compliquée, et on peut pas ignorer le fait que une PMA c'est clairement des successions de visites gynéco, quoi, avec des sondes endovaginales, hein. Alors souvent ils font ça avec grande douceur, il y a pas de problème, hein. Mais c'est le fait, quoi. C'est le fait que oui, tout à fait. À 8h du matin, les quatre fers en l'air, avec une sonde endovaginale pour la troisième fois de la semaine, bon, c'est pas spécialement comme ça qu'on a envie de commencer la journée, quoi. Mais... C'est ça. Complètement. Voilà. Et puis, en plus de ça, je pense que... J'ai l'impression aussi, enfin en tout cas, moi c'est cette façon-là dont je l'ai vécu, le fait de remettre à la science la conception, si t'es un peu cartésien sur les bords, on va dire, pour moi c'est forcément, tout est maîtrisé, tout est contrôlé, donc forcément ça ne peut que fonctionner. Tu vois ce que je veux dire ? Moi j'avais cette impression-là, je me disais que avec tout ce qu'on met en place, je comprenais pas pourquoi ça ne... C'était pas possible que ça fonctionne avec le même taux de réussite que quand il n'y a pas de contrôle, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était quelque chose de difficile pour moi à intégrer. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Mais en fait, ce qu'on sait peu, c'est qu'en fait, dans le cas d'une relation, par exemple, quand je prends de base, relation hétérosexuelle avec une ovulation qui se produit et un rapport sexuel qui se passe au bon moment, ce qui est déjà dans les couples. Pas le truc le plus fréquent, on calcule pas en fonction de son ovulation quand on s'envoie en l'air, généralement, a priori. Il y a déjà un taux de grossesse, etc., de fécondation, parce qu'il y a fécondation et grossesse, c'est encore deux choses différentes, qui sont de l'ordre de, je crois, entre 20 et 25%. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas du tout déjà, on n'est pas des chats, quoi. On n'est pas en un coup gagnant, Donc, déjà là, oui, l'humain n'est pas l'être le plus fertile, quoi, en termes de reproduction. C'est pour ça aussi que les ovocytes vivent 24 heures, que les spermatozoïdes vivent en moyenne 72 heures dans le corps. C'est pour maximiser les chances, quoi. Et le fait que nous, on soit dans un parcours où on met en effet toutes les chances de notre côté, où on se dit qu'on va de toute façon avoir le protocole qui a stimulé, on insémine au moment T, à l'instant T, à l'instant truc, on a tendance à croire qu'en effet, globalement, on fait quand même tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Le fait est que même si on fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, on n'aura jamais la certitude que ça fonctionne, puisqu'il y a 1000 paramètres que la science ne contrôle pas et que les médecins ne contrôlent pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité de voir au niveau moléculaire et exactement ce qui se passe au niveau de l'endomètre, au niveau hormonal, précisément, parce que c'est des protocoles quand même qu'on suit, des choses les plus faciles, etc., mais c'est pas des protocoles, par exemple, où selon les prises de sang qu'on a, on va avoir des comprimés, par exemple, qui vont avoir le dosage hyper précis qui pourrait peut-être aider à faire que. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez particulier. C'est que l'humain n'est pas hyper fertile déjà de base, alors il y a des femmes qui vont être très fertiles, c'est une chose, mais en soi, globalement, on n'est pas un individu hyper hyper fertile, on l'est, mais on regarde un cycle à la fois, c'est pas forcément le cas. Et donc, et nous, comme nous, en tant qu'en PMA, on pense un cycle à la fois, logiquement, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer, puisque même si ça peut fonctionner un coup très bien, peut-être que la fois suivante, ça ne fonctionnera pas. Lors d'une volonté de grossesse suivante, ça ne fonctionnera pas aussi facilement.
Parce que le parcours n'est pas, le corps ne réagit pas de la même manière, parce que le métabolisme évolue, change et peut varier à cause de stress, à cause de différentes choses, de la vie de tous les jours, de l'alimentation. De notre état d'esprit aussi. De l'état d'esprit aussi. Mais alors, par contre, je suis quand même un peu soucieuse par rapport à ça, c'est que j'aime pas trop quand on dit « mais c'est parce qu'on est trop stressé et trop songeuse qu'on n'arrive pas à tomber enceinte ». Je suis un peu... J'aime pas trop... Allez, alors oui, il peut y avoir des blocages psy qui font qu'une grossesse se passe pas et se mette pas en route. Ça existe. Je n'en dis pas. Mais l'écueil de ce truc-là, que j'aime pas trop, c'est quand on va dire, par exemple, d'une femme, c'est que, ouais, mais arrête d'y penser, ça va venir. Ça va venir. Faut que t'y penses moins. Alors, moi, j'aimerais bien vous voir dans un parcours de PMA, arrêter de penser. Hein. C'est clair. Non, je pensais plutôt, tu sais, à tout ce qui est équilibre acido-basique du corps que tu peux induire du fait d'une situation de stress ou ce genre de choses et qui vont avoir un impact clairement peut-être pas sur la fécondation, mais au moins sur l'accroche de la grossesse. Quoi. Ouais, l'accroche de la grossesse ou la viabilité. À l'annihilation. La viabilité des spermatozoïdes dans le corps de la femme aussi. Aussi complètement. C'est ça. Et en fait, il y a aussi le. Alors là, dans le cas, on parle d'insémination, du coup, parce que tout à l'heure, j'ai quand même beaucoup fait référence à la FIV. Oui, là, tout à fait. On parle d'insémination. Qui doivent, eux, batailler un petit peu puisqu'ils sont insémination. En insémination, les spermatozoïdes sont déposés au fond de l'utérus. Donc, ils doivent quand même aller dans les trompes de Fallope jusqu'à trouver l'ovocyte. Ce qui induit un travail de plus pour eux. Alors que dans la fécondation, oui, tout à fait. Le job est déjà fait. Le fait aussi que par rapport à ça, c'est je préfère prévenir par rapport à ce côté psy qui peut induire pas mal de choses. Il y a ça, mais c'est un peu dangereux parce qu'il y a quand même toute cette vieille école de la vieille psychologie qui disait bon, une femme sous pilule qui tombe enceinte, c'est qu'elle le voulait quand même un petit peu. Voilà, contre lequel je me bats un peu, parce que c'est c'est ça. Donc, contre je me bats un petit peu, parce que voilà, c'est un petit peu facile, c'est des raccourcis faciles en termes de mise en place du psychisme dans une grossesse. C'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Et dans le cas d'une PMA aussi. Dans le cas d'une PMA, c'est sûr qu'il peut y avoir des trucs qui bloquent, mais parce qu'il y a des couples aussi qui peuvent se déchirer lors d'une PMA, parce que c'est très dur. Et que le vécu des deux partenaires sera toujours différent. Forcément. Parce qu'on, dans le corps, on ne le vit pas de la même manière, et les exigences de chacun ne sont pas les mêmes, et les attentes de l'un et de l'autre, ou de l'une et de l'autre, ne sont pas les mêmes. Oui, voilà. C'est un point que je voulais aborder, qui pour moi me semble essentiel, c'est que le parcours PMA, il a un impact sur le couple. Alors, effectivement, on va dire que la grossesse et la naissance ont un impact, mais le truc, c'est que nous, nos parcours, ils sont tellement... quand on arrive à tomber enceinte, on a déjà un background de 18 mois, 24 mois, pour les plus chanceuses, de 3 mois. Ouais. Et mine de rien, ça impacte énormément le couple et qui peut voler en éclats avant même d'atteindre une grossesse. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, en effet, comme on est dans un schéma où on va déjà choisir de faire un enfant, super, on choisit de faire un enfant, on choisit le protocole, on choisit la manière... Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une prise de décision sur comment, qui porte, qui fait quoi, de quelle manière ça va se passer en termes pratiques. Est-ce qu'on y va à chaque fois seul ou à deux, par exemple pour les suivis de cycle et pour les suivis pour les inséminations. Est-ce qu'on va avoir une discussion par rapport à ça pour décider quel type de donneur on choisit aussi, mine de rien, rien que ça. C'est que quand on est dans un couple hétérosexuel, forcément, on est dans un couple, on ne se discute pas. En fait, on choisit le partenaire, généralement, c'est le père des enfants qu'on veut, quoi. Nous, on est dans un couple de... on adorait pouvoir partager les gènes. On adorait pouvoir partager nos gènes. Mais le fait est que ce n'est pas le cas. Donc, on doit choisir les caractéristiques du donneur, en donneur anonyme ou en non-anonyme, déjà. Rien que ça, il peut y avoir des conflits par rapport à ça, des conflits par rapport aux traits. Phénotype, sa divergence d'opinion par rapport à ça. Pareil par rapport au phénotype du donneur. Est-ce qu'on le prend blond aux yeux bleus? Est-ce qu'on le prend petit aux yeux bruns? Voilà, ça peut être des choses qui paraissent très, petites et presque stupides. Mais en fait, ça, il y a tout un bagage derrière chacun. Il y a parfois des grosses raisons qui font que, par exemple, on voudrait bien, par exemple, dans le cas d'Ismaël, l'objectif, c'est d'avoir un donneur
black pour avoir des enfants métis, parce que il y avait une maman blanche, une maman black. Donc, dans un couple mixte, les enfants sont métis. Voilà, c'est ce qu'on projette, etc. Voilà, c'est ce qu'on projette. Et donc, c'est de quelle manière est-ce que les projections qu'on fait nous-mêmes, est-ce que c'est celles, les mêmes que le partenaire ou la partenaire? Donc, déjà, rien que ça, ça crée beaucoup de discussions. Et puis, pour, en effet, pour la difficulté de se rendre disponible aussi. C'est dans quelle mesure est-ce que rien que l'investissement dans le parcours va être partagé, et comment est-ce que l'investissement ou le non-investissement dans le parcours va être vécu par l'un des deux ou par les deux. C'est ça qui peut être compliqué aussi, c'est de se dire qu'il y en a certaines qui vont être toujours à faire tout ensemble et d'autres qui vont être à faire tout toute seule. Et alors, dans quelle mesure, dans ces cas-là, oui, les enfants... Voilà, donc il y a plein de choses qui se jouent comme ça en amont qui peuvent induire ça. Et puis alors, il y a aussi celles qui vont être celles qui vont porter, qui vont vivre l'échec de l'échec d'une grossesse ou l'échec d'une ponction ou des choses comme ça, où là c'est le corps qui fait défaut et où forcément le ou la partenaire va se rendre compte que, à part dire j'aimerais que te dire que tout va bien et que ça va aller, en fait on sait pas très bien, et donc c'est très compliqué de trouver le bon répondant, la bonne position par rapport à ça, parce que c'est quand même une position qui est pas facile à tenir. Oui, faut être honnête. Oui, et puis je pense que clairement, de la part de la personne qui doit porter, il y a quand même un gros sentiment de culpabilité. Ouais, c'est ça. Parce que ça coûte de l'argent, parce que ça coûte du temps, ça coûte de l'investissement. Mais et c'est que ça. Forcément, c'est quand le corps, on a l'impression que notre corps fait défaut alors qu'on met tout en place pour que ça fonctionne, ben on a l'impression que peut-être que, est-ce que c'est parce que j'ai fait ceci, est-ce que c'est parce que j'ai fait cela, peut-être que j'aurais pas dû bouger comme ceci ou comme cela. Enfin, voilà, on peut se mettre en martèle en tête pour plein de trucs en fait. Et. Si on n'est pas entouré de quelqu'un d'hyper bienveillant et d'hyper ouvert en disant écoute, voilà, on fait ce qu'il faut, mais c'est pas coup gagnant à chaque fois, bah forcément ça peut mettre des conflits aussi. Et ça peut, et il faut bien se rendre compte aussi, et c'est ce que je dis dans les couples, c'est que vous êtes deux personnes différentes, vous avez donc deux vécus différents et vous auriez deux expériences de la PMA différentes. Et ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas deux vécus de PMA identiques parce que le couple ne vit pas de la même manière. Oui, complètement. Après, je pense qu'il y a un autre point qui peut aussi être délicat. On en a parlé un petit peu au départ, c'est le choix de la personne qui porte. Mmh. Si les deux personnes souhaitent porter, ça peut être... Je pense qu'il peut y avoir une relation conflictuelle parce que de la jalousie peut s'installer si on n'est pas celle qui est choisie en premier alors qu'on en avait vraiment une envie forte. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ça peut être difficile d'avoir, en effet, si vraiment l'envie est similaire chez les deux, ça peut en effet être hyper difficile pour choisir comment qui a la priorité en fait. Et si on donne une priorité? J'ai vu des couples qui choisissaient d'avoir des enfants en même temps parce que la volonté d'être mère en même temps et de vivre le même bagage en même temps était là. Pas forcément, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on peut entendre ce que chacun a à apporter, à son vécu, etc. Et si on peut postposer, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des grossesses rapprochées dans ce cas-là? Est-ce que ça veut dire que, bah, comme je disais là, des grossesses en même temps? Est-ce que c'est des grossesses qui font être plus éloignées parce que pour profiter vraiment de l'un ou l'autre? Est-ce que c'est des grossesses où, si les deux veulent porter, est-ce qu'une fibre pas qui peut, est-ce que ça peut aider à ce moment-là de faire le choix? Et donc là, se rebat tout le choix de la procédure aussi qui peut impacter l'investissement dans les deux. Donc l'objectif, c'est un peu de faire le point en fait avec les deux mères, de savoir ok dans quelle mesure est-ce qu'on laquelle porte comment dans quelles circonstances. Et par exemple, il peut y avoir un truc qui existe et qui se sait pas trop, mais en gros, on peut induire par exemple la lactation chez une femme qui n'a pas porté. Donc ça veut dire qu'imaginons qu'on pourrait très bien partager l'allaitement même sans avoir porté l'enfant, et donc de pouvoir poursuivre par la suite le vécu en postpartum avec le bébé. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui peuvent se discuter et qui peuvent s'ouvrir comme champ des possibles à l'heure actuelle. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se discuter. Tout à fait. C'est d'ailleurs un épisode que je ne vais pas trop tarder à enregistrer sur l'allaitement induit, parce que je pense que c'est une vraie solution. Alors, je ne dis pas que ça... Enfin, je pense que ça peut être une vraie solution pour avoir ce sentiment de partage du vécu en postpartum.
il y a un point que je souhaitais, enfin qui me semble quand même hyper important dans nos parcours et du coup dans l'investissement émotionnel qu'on va mettre dans nos parcours, c'est aussi toute la composante organisationnelle. Alors j'entends par organisationnel tout ce qui va être déplacement, gestion des timings, des horaires de au niveau calendaire, mais aussi tout ce qui va être financier. Et mine de rien, ces composantes-là, elles jouent énormément. Ah bah oui, on peut pas mésestimer, surtout en France, hein, de fait, que le coût d'une PMA est important. Puisque bah, y a les trajets à prévoir, il y a possiblement l'hébergement sur place, en fonction des protocoles. Mmh. Je sais que par exemple, il y a des certaines cliniques en Espagne qui font une insémination un jour et puis une le lendemain. Il y a donc le déplacement, l'hébergement, le coût même d'une PMA qui, en plus de ça, alors si le cycle est suivi en France, forcément ça aide en termes financiers puisque la sécurité sociale aide à ce niveau-là aussi. Hein. Mais le reste est que les procédures d'insémination ou d'implantation ne sont pas prises en charge en fait. Et donc ça veut dire que ça coûte très cher. Mmh. Et donc ça veut dire que, ne serait-ce que, comment est-ce qu'on organise les dépenses dans le couple par rapport à ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est, de fait, on peut avoir une cagnotte. Parce que ça va induire des cycles qu'on va devoir faire sauter parce qu'on n'a pas les moyens de faire une tentative sur un cycle. Du coup, on vit ça comme une chance qu'on laisse passer. Oui, c'est ça. Et alors, c'est ça qui est assez drôle, de se dire que les considérations financières vont conditionner l'accès ou non à la parentalité. Or, à l'heure actuelle, dans les couples homoparentales, c'est exactement ce qui se passe. Oui, complètement. C'est que l'argent est un élément incontestable. Et même dans les pays où c'est bien pris en charge, globalement, moi par exemple, en Belgique, c'était pris en charge, on paye les paillettes, voilà, tout ça. Mais n'empêche que sur un seul mois de suivi, etc., quand on met toutes les sommes dépensées bout à bout, on arrive à une somme aux alentours de 300-400 euros. Alors après, les gens vont dire, oh, mais si tu n'es pas prête, par exemple, à dépenser 300-400 euros, ouais. Si tu n'es pas prête à avoir un enfant, là n'est pas la question, c'est pas ça, c'est le fait que c'est ce que c'est. C'est ça, là n'est pas la question, mais non, souvent c'est des arguments qui ressortent, alors je préfère les anticiper. C'est le fait que intellectuellement, psychologiquement, on se retrouve dans une situation d'injustice sociale où on va se retrouver à être conditionné par les moyens financiers. Et donc forcément, et encore plus quand il s'agit de GPA par exemple à l'étranger, hein, sans rentrer du tout dans le débat de pour ou contre, hein, voilà, je rentre pas du tout dans le débat, mais juste que c'est un fait. La GPA coûte aussi très cher, et pareil et encore plus quand on est au niveau de l'accueil du bébé, où on doit aller passer plusieurs jours à l'étranger, ou voire plusieurs semaines à l'étranger. Donc c'est un fait qu'on peut pas négliger. C'est un fait qu'on peut pas négliger, et c'est une injustice qu'on dit souvent. Et les cycles qui sautent. Alors, en effet, quand c'est des cycles qui doivent sauter parce qu'il y a des considérations financières qui les conditionnent, c'est affreux parce qu'on se dit, waouh, ça retarde encore plus. Et l'empressement, quand on veut un enfant, on ne peut pas se dire, alors, il y a des couples, hein, qui font ça, ce sont ces hétéros, hein, oh, j'aimerais bien un enfant. Et puis alors, ils s'imaginent avec un enfant une grossesse dans 4, 5, 6 mois. Et puis, alors, ils sont presque surpris quand ça arrive le mois suivant, les deux mois suivants. Ils sont un peu genre, oh, si vite, waouh, on avait décidé, mais c'est si vite, quoi. En tant que femme homosexuelle, on sait qu'il y a un délai. Qu'il y a un délai, mais c'est pas pour ça que la volonté, elle y est pas, quoi. Et donc, le problème qu'il y a, c'est qu'on fait les examens. On décide d'avoir un enfant à un moment T, puis entre le moment où on décide d'en avoir, puis qu'on fait les démarches pour aller voir, pour trouver tous les praticiens, il y a 1, 2, 3 mois qui passent, puis ensuite, il y a tous les examens à passer, puis ensuite, il y a tous les protocoles qu'on met en place, et donc, on arrive déjà à un désir d'enfant plus 6, 7, 8 mois, quoi. Et donc, chaque échec se vit encore plus comme les chances qui passent, et alors d'autant plus si on a un âge un peu plus avancé, dans le sens où, d'un point de vue des terminologies gynécologiques, à partir du moment où on a passé 35 ans, on est déjà trop âgé ou presque, ça retarde d'autant. Et c'est un vrai enjeu. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a ce point-là aussi qui est à aborder, c'est qu'il y a des couples qui arrivent en limite, en limite d'âge. Parce qu'effectivement, il y a un moment où il faut le dire tel que c'est, hein, on est périmé pour la PMA. Et là, rater un cycle pour une histoire financière, c'est cornélien. Oui, c'est ça, c'est cornélien, parce que forcément, ça veut dire qu'on se retrouve avec une question de comment ça se passe, comment on fait, etc. Est-ce que dans ce cas-là, on passe à l'autre partenaire, si c'est possible, et si l'autre partenaire ne voulait absolument pas porter, comment ça se passe. Et donc, toute une PMA peut être mise en question
bah, pour ces considérations financières qui n'ont pas pu être exaucées, parce qu'en effet, quand on va à l'étranger, non seulement il y a les frais médicaux, mais il y a tous les frais de déplacement, de parcours, etc., et de d'hébergement possible, ce qui s'ajoute à ça et qui font vraiment monter très fort, très très fort la balance, quoi. Et j'ai pas idée, moi, du tout, de combien ça coûte à l'étranger en tant que Française, mais je sais que ça se chiffre, en tout cas, je sais que on est au moins aux alentours de 1 000-1 500 euros par tentative, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En gros, c'est ce qu'il faut retenir pour une tentative d'insémination, et pour une tentative de FIV, on est plutôt autour des 6 000-7 000 euros. Voilà, voilà. Donc on ne peut pas sous-estimer ça, quoi. Voilà, c'est ça, c'est énorme, c'est énorme. Donc, évidemment que c'est un impact, c'est un poids, quoi. Mais bon, ce n'est que, entre guillemets, 6 ou 7 000 euros. Moi, je pense aussi au papa qui, par la force des choses, la plupart du temps, doivent renoncer à la parentalité parce qu'une GPA au Canada, c'est 80 000 euros. Aux États-Unis, c'est 150 000. Il y a un moment donné où tout le monde, il faut être clair, ne peut pas se le permettre. Et déjà, ne peut pas se le permettre une fois. Alors, deux fois, quand on a un rêve de fratrie, c'est voilà. Clairement, le paramètre argent, il va conditionner nos familles. Oui, complètement, complètement. Et donc, forcément, on peut pas. C'est un élément qu'il faut vraiment prendre en compte dès le départ et auquel il faut se préparer pour pouvoir. Alors déjà, soit se dire que on rentre là-dedans avec un temps défini, on se donne des chances, et puis s'il y a plus de chances, bah, on avise. Ou alors. On prend la décision de vivre ça de manière absolue, entre guillemets, et on va tout sacrifier pour ça. Et c'est un choix qui est aussi fait. Mais c'est sûr que ça peut bousculer aussi les décisions par la suite. Je sais que bah, quand la caisse est vide ou quand il y a un moment où le choix, par exemple, d'une partenaire est plus possible parce que le cap des 42 ans est passé, on peut changer de partenaire, et alors ça redéfinit beaucoup de choses, parce que ça veut dire que dans le projet initial, il y a beaucoup de choses qui changent, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, il y a plein d'enjeux qui changent, en fait, au fur et à mesure du parcours. Et c'est ça qui est peut-être le plus compliqué, c'est qu'il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. Et peut-être qu'il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas et qui se produisent, qui peuvent se produire en tout cas. Et donc, peut-être que c'est important de se dire qu'il faut rester ouvert à toutes les possibilités, dans le sens où on ne sait pas exactement comment ça va se passer, on ne sait pas exactement comment ça va se finir, quand ça va se finir. Et donc, voilà, est-ce que par exemple, s'il y a la procédure d'insémination du FIV ne prend pas sur une des partenaires, est-ce qu'on passe à l'autre, si c'est un couple de femmes? Oui, tout à fait. Et s'il y en avait une qui voulait pas du tout être enceinte, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on abandonne le désir d'enfant, ou est-ce que l'autre revient sur son absence de volonté de porter? Et tout ça, c'est des enjeux qui sont très, très, très importants, puisque mine de rien, aussi, la passation des gènes est quelque chose aussi qui peut être un enjeu. Oui, complètement. Alors, c'est ça, et ce qui peut être aussi. C'est très ambivalent, dans le sens où dans un couple homosexuel, on sait très bien qu'il n'y a qu'un seul des partenaires ou qu'une seule des partenaires qui pourra passer ses gènes à un enfant donné. Mais alors, s'il y en a une qui était OK pour ne pas passer ses gènes et que l'autre voulait absolument, en sachant que la mère sociale aurait toute la place quand même, dans quelle mesure est-ce que soit on peut devenir une mère sociale et laisser l'autre avoir les gènes de l'enfant, entre guillemets. Donc, c'est très particulier. Il y a un vrai enjeu autour aussi du partage des gènes avec l'enfant à naître. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, la solution de la FIV ROPA va quand même apporter une solution qui est non négligeable, en fait, parce que du coup, elle permet de répondre à une personne qui souhaitait être enceinte parce qu'elle avait besoin de transmettre ses gènes pour arriver à, peut-être à tort, hein, mais arriver à s'attacher à l'enfant. Et finalement, du coup, voilà, on a la chance dans un couple de femmes d'avoir deux utérus, d'avoir deux ventres, et donc de pouvoir... grâce à ces méthodes-là, pouvoir changer notre fusil d'épaule, faire porter le nôtre enfant biologique, on va dire, par la maman sociale, qui serait, du coup, deviendra la maman. Enfin bon, c'est un peu compliqué encore tout ça, mais c'est concrètement. C'est un peu compliqué, mais oui, c'est ça. Parce que techniquement, elle deviendra la maman bio, mais Voilà, parce qu'en France, comme la GPA n'est pas reconnue, elle deviendra la maman bio, en fait. Et la maman sociale serait la maman génétique. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est sympa dans cette procédure-là. Et donc, ça offre aussi, mais c'est ça aussi, c'est que même dans les très belles aventures qui s'offrent dans ces possibilités-là, il faut aussi se rendre compte que même si on a ce projet-là, parfois ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a des fois où l'embryon ne se nidera pas dans un utérus tiers, parce que peut-être qu'il y a des fois où ça ne fonctionne simplement pas. Et donc, il faut se dire qu'un projet, c'est indispensable.
mais une flexibilité aussi à un moment, et puis se dire que là, parfois ça peut être remis en friche pour une raison X ou Y, c'est aussi possible et c'est malheureusement fréquent. Voilà. Complètement. Après, il ne faut pas oublier aussi que s'offre à nous, alors je sais et j'ai conscience de la difficulté du parcours, mais s'offre à nous la possibilité maintenant de l'adoption depuis que le mariage a été voté. Donc je parle bien de l'adoption d'un enfant pupille d'État. Et ça, c'est, alors soit c'est un choix hein, de base, soit c'est, ça peut être aussi une solution finale à un parcours qui n'aboutit pas. Mais il ne faut pas oublier cette composante-là qui peut, à un moment donné, vous apporter la parentalité. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est très compliqué en France aujourd'hui, mine de rien, pour un couple homosexuel, parce que même si ça a été ouvert, il y a plein de pays qui ont fermé en fait la possibilité. Par exemple, quand on veut adopter un enfant qui vient d'un pays, étranger, il y a plein de pays qui ont fermé l'accès à la France ou carrément au couple homosexuel, aux enfants. Ils refusent de confier les enfants à des couples homosexuels. Donc, même si la France a autorisé ça, il y a des fois où ça ne se produit pas. Donc, c'est vrai que c'est un parcours, c'est un autre parcours. Clairement, le parcours d'adoption, c'est un autre parcours, mais qui peut en effet faire suite à un échec de PMA. Et je pense que dans ces cas-là, c'est intéressant, mine de rien, de pouvoir faire un deuil sur le partage génétique, le partage d'une grossesse, le partage d'un nourrisson. Parce que, mine de rien, c'est pas anodin de faire une croix là-dessus, surtout quand on s'est battu pour. Et c'est pas anodin de faire une croix là-dessus. Et je pense qu'un accompagnement psy pour passer et accepter la chose et vivre un autre chapitre peut être utile pour encore améliorer tout le parcours suivant à venir au niveau de l'adoption dans ces cas-là. Ou même du deuil total d'une grossesse quand on veut faire le deuil si un parcours ne fonctionne pas, que ce soit dans un couple infertile hétéro ou dans un échec de parcours de PMA homosexuel, il faut aussi peut-être parfois se faire aider pour aller de l'avant et pas rester focalisé sur cet échec ad vitam aeternam. Oui, complètement. C'est clair que je pense que l'accompagnement psy, en fait, dans nos parcours de PMA, alors je sais qu'il est induit, hein, notamment en Belgique, et qu'il est induit, dans les pays qui permettent la PMA, mais en France, il est induit pour les couples hétérosexuels qui ont recours à la PMA. Ce serait, je pense que nous, on devrait de nous-mêmes, à un moment donné, se faire accompagner. Mais je pense qu'en effet, c'est pas de trop de se faire accompagner dans ces parcours-là, parce qu'il y a tellement de choses qui chamboulent dans tous les rebondissements émotionnels qui ponctuent en fait le parcours, qu'il y a un moment où ça peut très vite épuiser. Ça peut épuiser soi-même. Oui. On peut vraiment s'épuiser là-dedans et vraiment se sentir mal, se sentir incapable, se sentir lessivé à cause de l'intrusion médicale là-dedans, mais aussi dans le couple, parce que c'est vrai que confier toujours tout à sa partenaire, ça peut être compliqué, puisque parfois on voudrait confier des choses qui incluent aussi le vécu du partenaire ou de la partenaire, et donc ça peut couper en fait. Il y a des choses qui se disent qui peuvent être difficiles à entendre. Oui, donc complètement. Il y a un dernier point que je souhaiterais aborder, c'est tout ce qui va tourner autour du parcours de la GPA, parce que mine de rien, c'est d'autres considérations, c'est d'autres engagements, c'est d'autres choix à faire aussi, et d'autres risques qui sont encourus, entre guillemets, encore, j'entends, puisque pour le moment, il n'y a pas de reconnaissance légale de la GPA en France. Alors, les enfants sont bien évidemment maintenant reconnus, mais ce n'est toujours pas le cas de la GPA. Est-ce que tu as déjà accompagné, ou comment tu accompagnes les couples qui ont eu recours à la GPA ? Alors moi, pour l'instant, j'ai pas encore eu de personnes qui ont eu recours à la GPA. J'ai pas encore eu de demande de ce côté-là. Parce que souvent, les couples qui font appel à la GPA sont souvent très, 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 très bien entourés, en tout cas, bien au carré, très préparés, quoi. Ils sont très préparés à ce que ça demande, parce qu'il y a, comme tu disais, il y a un investissement financier qui est tellement lourd qui sont prêts, quoi. Vraiment, il y a un truc... Maintenant, je dis pas que c'est pas possible, hein, mais je dis j'ai pas eu de demande, moi, et j'ai pas eu de retour de beaucoup de praticiens qui ont des demandes par rapport à ça. Maintenant, en effet, ça peut être intéressant parce que la GPA, faudrait-il le rappeler encore, c'est pas réservé qu'aux couples homosexuels masculins. Oui. Hein. La GPA, ça peut aussi être une gestation pour autrui, pour une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, pour un problème, par exemple, qui a eu une hystérectomie ou des choses comme ça. Et donc... Il y a des tas d'enjeux en fait qui se jouent dans le rapport à la parentalité et même dans le fait de laisser quelqu'un d'autre porter son enfant, de pas vivre la grossesse avec, etc. Il y a plein d'enjeux qui sont très forts à ce moment-là, puisqu'on peut se dire que on peut avoir plein de craintes par rapport à ça, et peut-être que connaître mieux la GPA et connaître mieux les compétences infantiles et peut-être connaître mieux la passation
la plus douce possible pour un enfant de du ventre et de la personne qui l'a porté dans les bras de ses parents peuvent être faites. Il y a vraiment des choses qui peuvent être faites hyper chouettes et hyper douces et bienveillantes, pour, tant pour l'enfant que pour les parents, pour vraiment créer autour de tout ça quelque chose de vraiment le plus respectueux possible. Et évidemment, je sors là-dedans tous les parcours de GPA qui sont des usines à enfants où il s'agit quasiment de la traite d'êtres humains. Malheureusement, ça existe, c'est ce qui noircit le tableau de la GPA. C'est des choses qui existent dans le monde. Évidemment, c'est pas ce qu'on promeut dans les discussions que nous avons, toi et moi, à l'heure actuelle. Complètement. On promeut des GPA qui sont faites par des femmes décident sans avoir un besoin financier le plus souvent. Hein. C'est vraiment une volonté de faire et de participer au plaisir, même s'il y a un engagement financier, parce que louer son corps n'est pas anodin, on ne peut pas le dire non plus. Il y a des risques qui sont des risques certains à une grossesse. Voilà, il y a des engagements financiers. Mais le fait est que, globalement, évidemment, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit respectueux. Et il peut y avoir des transitions qui sont très belles, par exemple, où le bébé va quand même profiter d'une tétée d'accueil, même si ce n'est pas le plus fréquent, mais bon, ça peut arriver. D'un bébé qui va bénéficier tout le temps, par exemple, un premier mois entier sur le sol, son sol de naissance, où il va bénéficier du lait maternel que la mère porteuse tire pour lui envoyer, ce qui lui permet quand même d'avoir pour le premier mois un bon background en termes immunologiques, ce qui est vraiment super aussi. Et si les parents connaissent toutes les pratiques de parentage proximal et donc tout ce qui est portage, cododo, pratique du pot à pot, etc., ça peut vraiment aider aussi le bébé à faire une transition beaucoup plus douce dans un monde où il perd, mine de rien, tous les repères qu'il avait pendant sa grossesse. Il n'y a pas de continuum, en fait. Il n'y a pas de continuum. Et de recréer une forme de continuum peut quand même améliorer tant le vécu de l'enfant que le sentiment de compétence parentale et ensuite la mise en route d'une parentalité, en fait. Oui, et puis c'est vrai que la question qu'on peut se poser aussi, c'est que c'est pour le couple qui attend cet enfant à distance. Mais quand je dis à distance, c'est pas de 200 km, tu vois, où tu peux pas aller voir la mère porteuse, toucher ton enfant. Je pense que c'est une composante aussi qu'il faut prendre en compte, et la difficulté de la distance, ça doit être énorme, en fait. Oui, c'est ça, et c'est vrai que ça va être très compliqué, parce que mine de rien, on peut se retrouver à ne pas pouvoir suivre la grossesse en tant que telle. C'est ça, pour les gens qui font appel à la GPA, ils peuvent pas du tout suivre la vie quotidienne. Il y a toujours des incertitudes. Il y a à côté pas avoir de nouvelles régulières, certes, mais pas pouvoir vivre la chose en tant que telle, et donc c'est la grossesse par procuration, c'est quand même quelque chose de très particulier, et je pense qu'il faut parfois s'y préparer, et aussi tous les enjeux affectifs qu'il y a derrière peuvent être importants à dénouer pour pouvoir faire le pas là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui font appel à de la GPA qui finissent par avoir quand même un lien très fort avec la femme. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est fréquent qu'ils conservent le lien. Ouais, c'est ça, parce que mine de rien, c'est devenu une personne hyper importante dans leur parentalité, et à juste titre. Mais complètement. Complètement. C'est la personne qui leur a permis de donner la vie. C'est ça, voilà. Est-ce que tu penses qu'on a traité tout ce qu'on souhaitait traiter ? Alors, écoute, il y a tellement de choses à traiter autour de la périnatalité, autour de la parentalité, comme ça, au niveau PMA et parcours, en tout cas. Je suis sûre qu'il y aura peut-être des questions qui vont émerger de la part de tes auditeurs et auditrices. Ce serait super, d'ailleurs, qu'on puisse faire d'autres sujets. Mais il y a d'autres sujets qu'on pense traiter déjà. En tout cas, par rapport à ce qu'on voulait traiter en termes de parcours, je pense qu'on a fait peut-être pas le tour, mais en tout cas, on a parlé de pas mal de choses. Ce que j'aimerais rappeler, c'est vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner, parce que, c'est pas que des fous qui se font accompagner. Hein. On peut se faire accompagner par un psy pour régler un peu, que ce soit des problèmes de couple dans la PMA, pour savoir comment est-ce qu'on va vivre une PMA avec un enfant qu'on a issu d'un don, pas de donneur, etc. On peut discuter avec un psy, justement, de l'impact d'un donneur, anonyme ou non anonyme. Ça pourrait être carrément le sujet quasiment presque d'un épisode entier. Donc, je pense qu'il y a vraiment des tas de bonnes raisons qui font qu'on peut aller voir un psy pour en discuter. Alors, évidemment, des psys qui sont un peu éveillés là-dessus et qui sont ouverts à la question, je ne sais pas, mais il y en a. Il y en a beaucoup, heureusement. Mais en gros, voilà, c'est pour aborder tous ces sujets-là, parce que ça peut avoir vraiment un grand nombre de questions, un grand nombre de questions qui peuvent émerger. Et peut-être qu'avoir une aide au niveau de tiens, mais quelles sont les questions peut-être qui vont émerger ensuite et qui peut-être que je n'avais pas pensé,
quels sont les obstacles auxquels je vais être confrontée et auxquels j'aurais pas pensé forcément. Voir des psys qui sont spécialisés là-dedans peuvent aussi aider à préparer un peu tout le parcours et toutes les embûches possibles du parcours, entre guillemets, sans être dans le catastrophisme et se dire préparé au pire, mais en gros, préparé à l'incertitude et à un certain lâcher-prise. Parce que oui. Si on se sent coupable et responsable de tout, forcément, c'est très compliqué au quotidien. Exactement. Et je pense que c'est, en tout cas, c'était vraiment l'objectif de cet épisode particulièrement, c'était de se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on peut ressentir, vivre, subir aussi, il faut être clair, dans nos parcours, on n'est pas les seuls à les vivre, on n'est pas les seuls à ressentir ce qu'on ressent. Et donc, c'est vrai que, déjà ça, je pense que c'est quelque chose de rassurant, mais c'est surtout, il faut, je pense, ne pas hésiter à un moment donné ou d'un trop-plein à se dire que, ben oui, il faudrait aller peut-être consulter et qu'on n'est pas anormal parce qu'on va consulter, ou parce qu'on ressent ce qu'on ressent à un instant T, au contraire. Et je pense qu'aller consulter, ce serait d'autant plus rassurant pour vous, pour votre couple, pour le parcours, pour la suite, en fait. Oui, parce qu'en fait, ce qui arrive souvent, c'est le fait que on va avoir un ressenti qui peut être très positif ou très négatif. Hein. Souvent, c'est en demi-teinte quand même, hein. Ponctué de joie et d'échecs et donc de frustration et de tristesse. Mais en fait, on va vouloir parfois en parler, etc. Mais en fonction des gens avec qui on en parle, on va avoir des gens qui vont faire écho avec leur propre façon de vivre ou avec leur propre histoire, etc. Et ça comblera pas le besoin qu'on avait de nous de pouvoir parler de notre histoire à nous sans que ça fasse écho à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, on n'a pas spécialement envie de savoir que l'autre, elle a vécu ça mieux ou moins bien que nous. En fait, on veut juste être entendu dans ce que nous, on vit là, à l'instant T. Et ça, bah, y a peu de gens qui sont capables de le faire, si ce n'est dans une écoute professionnelle, mine de rien. Oui, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, je te remercie beaucoup, Natacha. Comme tu l'as souligné, effectivement, on abordera d'autres sujets, donc peut-être plus en aval, de la naissance, toutes les deux, des sujets qui tourneront, je pense, jusqu'à peut-être l'adolescence de nos enfants, dans nos futurs épisodes. Ce qui est clair, c'est que, je pense que sur cet épisode-là, comme on l'a dit aussi, on n'a pas tout abordé. C'était plus une discussion où on a abordé des thèmes qui nous paraissaient essentiels. Maintenant, je pense que je vais mettre rapidement en place des épisodes de questions-réponses avec les professionnels avec lesquels je suis intervenue pour qu'on puisse répondre aux questions plus spécifiques. Ce sera super, ouais. Ouais, ouais, c'est l'idée. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup, Natacha. Je pense que c'était très clair et l'échange était vraiment très enrichissant. Bah écoute, merci à toi Constance de pouvoir mettre ça en œuvre, de faire connaître tout ça. Je t'en prie. À bientôt Natacha. À très bientôt Constance, bonne soirée. Bonne soirée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, je sais, je vous le répète à chaque fois, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. C'est le meilleur soutien que vous pourrez apporter au podcast. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Natacha. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand. Hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone.
right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.